mal de monde qui le savent. Maintenant, j'ai un poulailler, moi, à la campagne depuis quelques années où j'accueille mes poules estivales, mes petites filles. Et j'ai vraiment un gentil fermier, je le salue, M. Sandy, qui tout... En tout cas, l'entente qu'on a fait, c'est qu'à chaque automne, il reprend mes poules. Et au printemps, je retourne en chercher parce que je ne mange pas, moi, mes amis poules. Je les veux juste pour pondre. Et on a une productrice d'œufs, d'œufs, comment on dit ça? Oui, c'est ça, Joanne Labranche. Oui, c'est ça. Vous, c'est votre vie depuis combien d'années? Oui, depuis 2007. On a construit notre poularier en 2007. Alors, on est producteur d'œufs depuis ce temps-là. Ah oui, et vous produisez combien d'œufs? Environ... Par jour, par année? Ou... Environ 10 000 œufs par jour. 10 000 œufs par jour! Ça fait beaucoup de poules, ça, là. Est-ce que vous savez le nombre de poules que vous avez? Parce que ça ne veut pas dire 10 000, ça ne veut pas dire que vous avez nécessairement 10 000 poules. En réalité, c'est 9 500 œufs environ par jour pour environ 10 000 poules. Là. Ah, wow! Et donc, comment est venue cette passion-là? Est-ce que vous avez toujours été dans l'agriculture, la ferme, la terre, tout ça? Puis... Oui, indirectement, petite, j'avais un peu comme toi, quelques poules, des poulets chez mes parents, un cheval, une vache, ces choses-là. Puis en 94, on a acheté une ferme porcine, moi et mon conjoint. Wow. On s'est parti en agriculture à ce moment-là. Puis quand la Fédération des producteurs d'œufs a sorti un programme pour encourager la relève agricole, oui. On a postulé là-dessus, puis c'est vraiment... C'était un rêve pour nous autres, fait qu'on a appliqué sur ce programme-là, puis on a réussi à le décrocher. Ils sont fines, les poules. Oui, très, on les adore. C'est vrai, elles sont tellement fines, là. Elles sont affectueuses, sont attentionnées. En tout cas, nous autres, on aime vraiment beaucoup ça. Puis à chaque été, c'est toujours comme la fête, là. Tu sais, le monde, on dit, mais là, franchement, des poules. Non, non, les gens, quand ils viennent chez vous, sont où tes poules? On peut-tu aller chercher les œufs? Ça intéresse tout le monde. Même avec mes 10 000 poules, moi, les gens rentrent dans le poulailler, là, des amis qui viennent visiter. Ces choses-là. Ouais. Puis l'ambiance est tellement le fun, les cacasses, puis c'est vraiment, vraiment agréable. Ben, les gens sont très passionnés de voir ça. Merci d'être là. On va aller retrouver.